Bonsoir à tous et bienvenue à Sport Business Squad. Bon, désolé hein, pour le rendez-vous manqué de la semaine passée, pour des raisons dépendant de notre volonté, ça n'a pas pu se faire. Mais aujourd'hui, on est là et le rendez-vous sera bien rempli. L'actualité de la semaine, la statistique de la semaine, le focus et enfin le quiz seront bien sûr les différentes rubriques qu'on aura tout au long de cette émission. Je suis bien sûr accompagnée de trois personnes très intelligentes et qui maîtrisent le sujet de leur département, je vais dire ça comme ça. Mais avant de leur présenter, on revient. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis accompagnée de trois personnes. On va commencer par la plus ancienne ou plus nouvelle. Alors, on va dire bonsoir à Francis Longuenet qui est toujours là au rendez-vous. Bonsoir Franck. Salut Racha et salut à tous les téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve encore ici. Comment tu vas ce dimanche? Ça va, je vais très bien. On était au culte, on était à la messe le matin. Ah, le chrétien. On essaye voilà, au maximum d'être en relation avec les esprits. Amen. Pour que voilà pour qu'on puisse justement partager l'amour et la passion du management et de l'économie du sport avec vos téléspectateurs. D'accord, on va aussi parler à un autre manager et l'économie du sport. On va bien sûr dire bonsoir à Francis Yannick Ndengue qui est le CEO de Six Sport Ads. Bonsoir Francis. Bonsoir Racha, bonsoir à tous les auditeurs. Téléspectateurs, merci. On est habitué au plateau radio. On a la télé, on a HTV maintenant. On va refaire ça. Bonsoir à tous les téléspectateurs de HTV. Merci du respect. Hein. Alors, on a une. Je vais l'appeler l'icône de ce jour parce qu'il est dans les grandes instances sportives africaines, mais mondiales aussi. On va dire bonsoir à Will Biako, qui est le responsable business development à la NBA Africa. Bonsoir, Will. Bonsoir, merci de me recevoir. Ah, c'est tout un bonheur de te recevoir. Comment tu vas ce dimanche? Très très bien, je suis heureux d'être ici pour cette émission. D'accord. Alors, on va tout de suite passer à l'actualité de la semaine. Les Dixiades, quelle importance du point de vue de l'économie et marketing? On va prendre cette rubrique de Marina Kangvina et on revient tout à l'heure. Bafoussam abrite depuis le 15 décembre dernier les Jeux nationaux de la jeunesse. Ils sont 1000 athlètes âgés de 15 à 20 ans rivalisant sur les aires de jeu. Des sports collectifs aux sports individuels, tous donnent le meilleur pour engranger le maximum de médailles. Cette compétition qui bat son plein dans la capitale de la région de l'Ouest présente de multiples défaillances organisationnelles. Des délégations venues d'ici et d'ailleurs sont confrontées aux problèmes de logement, de nutrition et que dire des infrastructures qui accueillent ces jeux. Sur les terrains, l'esprit de compétitivité est palpable. Les participants rivalisent d'adresse et de bravoure. Après deux jours de compétition, la région du centre mène la danse avec 8 médailles, dont 3 en athlétisme, 2 en judo et 3 en amboudo. L'hôte de cette Dixiade s'adjuge la deuxième place avec 5 médailles, dont 3 en amboudo et 2 en athlétisme. Le Sud-Ouest suit avec 4 médailles en amboudo. La région du Soleil Levant occupe quant à elle la 4e place avec 1 médaille. Et le Nord-Ouest vient en 5e position avec 1 médaille. Au sorti de la deuxième journée de ces Dixiades de 2018, 19 médailles ont été attribuées aux différents compétiteurs. Alors avec moi, vous avez regardé cette rubrique de Marina Kangvina qui nous fait étalage des Dixiades qui se déroulent actuellement à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. On a eu dire qu'il y a eu une restriction d'âge, on était de 18 à 23 ans. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ces Dixiades par rapport à l'organisation déjà et aspect marketing et physique? Qu'est-ce que ces Dixiades apportent de plus au Cameroun, Franck? Pour l'instant, pas grand-chose quand même, parce qu'il faut dire que le projet, à la base, a été très bien pensé par le Comité national olympique et sportif. Parce il fallait, au-delà du rôle justement d'encadreur du mouvement sportif, il fallait que le CNOSC développe également des capacités d'organisateur. Mais le problème est criard, et on le dit souvent, généralement, les organisations
camerounaise se mue rapidement en organisation événementielle. Mmh. Et après, ça ne se passe pas toujours bien. Je crois que votre reporter l'a dit tout à l'heure au niveau des conditions de ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pas de logement, pas de nutrition. C'est compliqué. Même parce que justement, derrière, il n'y a pas une infrastructure événementielle qui permette véritablement de vendre l'événement, de promouvoir l'événement. Tu l'as dit tout à l'heure, du point de vue marketing, on est très loin. Peut-être la télévision nationale, de temps en temps, essaye de montrer les images. Vendredi, par exemple, il y avait la cérémonie de clôture qui a été justement, qui était diffusée sur la télévision nationale. Ça manque encore de beaucoup de choses. Mm-hmm. D'autant plus que la ville de Bafoussam est l'une des villes qui était censée abriter la CAN 2019, si jamais c'est au Cameroun. Mais il y a un stade pour ça, on va pas quand même comparer. Quand on voit les conditions dans lesquelles la compétition s'est déroulée, on se dit quand même qu'il y a encore beaucoup de choses. Non, mais c'est pas pareil, on va le dire, Francis, c'est pas pareil. On va pas comparer le Bafoussam qui devait accueillir la CAN au Dixiat. C'est vrai qu'on a eu aussi, comme à la CAN, une augmentation de discipline, qui était de 14 à 16, avec une discipline de sport, l'intégration du sport pour déficients intellectuels. Qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, Franck-Jeanin l'a souligné, il n'y a que le comité national olympique a eu une très bonne idée, je partage. Après, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas eu un suivi par les pouvoirs publics. L'idée de fond dans les organisations qui sont itinérantes, c'est de pouvoir développer des régions. Je pense qu'au moment où on parlait des Dixiades, on parlait à ce moment-là aussi du PENDIS, qui était le programme du ministère des Sports, avec l'idée de développer les infrastructures sportives dans toutes les régions. Je pense pour les idées, on en a, il faut le dire. Pour les idées, on en a. Maintenant, quand on organise une compétition de la sorte, c'est quand même une compétition nationale, où on déplace des étudiants, des sportifs, des athlètes, je vais dire, de toute catégorie de sport, c'est quand même, il faudrait quand même mieux préparer la chose. Je suis d'accord, mais après, ce que j'ai dit avec parlant du comité national olympique, c'est que j'ai l'impression que le projet n'a pas été pas bien mûri, mais bien vendu au pouvoir public. Je sais pas bien bien vendu. On parle d'économie, c'est-à-dire. Je sais pas ce qu'ils ont présenté au pouvoir public. Est-ce qu'on veut organiser une foire sportive pour divertir les gens ou bien pour créer l'émulation dans la jeunesse? Ce qui est un objectif louable. Est-ce que derrière il y avait un projet de développement des infrastructures, comme c'est le cas par exemple avec des jeux universitaires? On sait bien que bien au-delà des aspirations de développer le talent, il n'y a que les jeux universitaires, c'est un héritage à chaque campus. Je parle en termes de développement des infrastructures, ça peut être du basket, ça peut être du tennis, ça peut être du football dans certains moments. Je pense que si on avait bien vendu ce projet-là comme cela au gouvernement, le budget qu'on alloue au Dixiat pourrait se multiplier par 10, par 20, avec l'idée que si les jeux vont aller à Bafoussam, par exemple, on fait un travail des années en avance, comme la période c'est 2 ans, on s'est dit que ok, d'accord, si je suis la région de Douala, si je veux accueillir les Dixiat, quelles infrastructures qu'il faut que je développe en tant que collectivité. Dans ce sens, les Dixiat aurait rendu service à la jeunesse et à la région. On parlait dans l'énoncé de la portée marketing. Ça que j'ai dit, quand on veut faire un projet qui soit sportif ou pas, il faut l'adapter à l'environnement social et à aux aspirations politiques. Aujourd'hui, nous parlons de la décentralisation. Ça veut dire que les Dixiat, si le projet est bien vendu tel que je le pense au pouvoir public, on allait l'intégrer dans cette logique-là. Ok, d'accord, on reviendra avec toi, Francis. On a Franck, on a Francis, on s'en mêle, j'ai plus d'elle. Alors, je vais prendre Will, au moins c'est différent. Alors, Will, concernant ces Dixiades, c'est vrai que tu n'en sais vraiment pas en profondeur, mais concernant l'organisation des Dixiades, on a le basket qui est ton domaine particulièrement. Qu'est-ce que tu penses du basket dans les Dixiades, vu qu'on a parlé de l'organisation qui n'était pas bonne? Et pour des joueurs, des jeunes joueurs, est-ce que ça pourrait leur donner l'occasion d'avancer dans leur domaine sportif? Moi, je découvre ces Dixiades, pour être honnête, donc j'ai pas assez d'informations pour pouvoir avoir un avis critique et éclairé sur le sujet. Ce que je peux dire, c'est que c'est déjà bénéfique que ça existe. Il me semble important
au-delà de, du nord, du sud, de l'est, ouest africain, que partout en Afrique, il y ait de multiples plateformes pour que les jeunes de tout âge puissent développer leur, leur jeu, que ce soit le basket, le foot, etc. Donc, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'avoir une plateforme de jeu pour des jeunes, aller à Bafoussam et se développer, ça ne peut être que positif. Effectivement, il semble... à l'écoute de ce que les panélistes ici viennent de partager, sans qu'il y ait des zones d'amélioration possibles. Et j'espère qu'un partenariat entre les autorités publiques, mais également les gens du privé, peut être la solution pour avancer. Je voulais également ajouter un élément à ce que Francis disait tout à l'heure. Quand il disait que le projet n'a pas été bien vendu au gouvernement, eh bien, il faut rappeler que ces jeux n'ont pas dû se tenir. C'est-à-dire qu'à un moment, le ministère de la Jeunesse avait annulé carrément les dixièmes de Bafoussam. Parce que justement, il y avait une petite guerre entre le ministre et l'actuel président du CNOSC, le colonel Kakaba Malboum. Donc, ce qui en fait en sorte qu'à un certain moment, on se demandait est-ce que ces jeux auront lieu. Et c'est au terme d'un bras de fer houleux entre le CNOSC et le ministère que finalement, le gouvernement, à la dernière minute, a décidé de permettre l'organisation de ces jeux, d'où pratiquement l'absence du gouvernement dans une véritable implication, une véritable réussite justement. Je me dis que c'est peut-être l'occasion aujourd'hui, à la lumière de ce que disait tout à l'heure Will, de pouvoir véritablement créer des partenariats publics-privés afin d'améliorer justement la qualité de ces événements sportifs qu'on organise au Cameroun. En parlant de partenariats.